Et bonjour à toutes et à tous, c'est The Aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo de cette nouvelle année. Donc voilà. Bonne année tout le monde. Alors que j'ai pas de son, c'est génial. On va changer en direct. On n'a toujours pas de son. Ah si. Donc voilà, c'est sur Mario Bros, on s'en fout. C'est un petit peu... Ok, je me rappelle plus des touches. Donc on va parler de la nouvelle année un petit peu. C'est quelle touche français, ok. Ouais, j'ai du problème là. Donc voilà, c'est une nouvelle année. Espérons qu'elle soit bonne pour vous, hein. Et puis bah... Oh putain, le fail! Chier. Et donc on va parler, bah qu'est-ce que je vais faire dans cette nouvelle année? Donc un petit peu les projets. Ce qui va se greffer à mes nouveaux let's play. Et puis un petit peu à tout ce qui va se passer. Et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Héhé. Qu'est-ce qui va se greffer à mes nouveaux let's play donc, et puis bah vous verrez un petit peu ce qui va y avoir de nouveau. Donc on va continuer mes let's play bah sur The Legend of Zelda. Donc on verra bien ce qui se passera, on verra déjà en plus avec la nouvelle politique des droits d'auteur, on verra bien. Ça j'en parlerai peut-être dans une vidéo, on verra. Franchement on verra. On verra. Oh putain, mais fuck! Faut que je reste gros quand même. Donc voilà. Ensuite, on fera toujours peut-être des petites séries sur les Mario Kart. Ah, j'avais fait Mario Kart 7 si on se rappelle. J'avais fait les walkthroughs, donc je ferai peut-être un... Ça, c'est une nouveauté. Je verrai, je suis pas sûr de le faire, on verra bien. Ensuite, il y aura aussi mes let's play Minecraft, donc l'aventure avec les mods. Il y aura sur ma chaîne double une série avec Sly Ratchet. Oh non, pas ça. Il y aura une série avec Infamous aussi. Il y aura aussi quoi? Il y aura plein de trucs, donc ça va être génial. Il y aura quoi encore? Il y aura... sur la chaîne d'Infamous, il y aura des rushs que je fais avec lui. Avec Ratchet, il y aura toujours les Crusoe Kevin qui n'ont pas été envoyés ce 4 janvier, car... bon, vous allez dire, oh non, mais tu l'envoies déjà une fois par mois, t'auras pu peut-être au moins t'excuser le 4 janvier ou faire une vidéo spéciale, t'auras pu... Oui. Oui, d'accord, j'aurais pu. Mais bon, il faut savoir quand même que je suis en seconde. Non, j'ai un problème. Je suis en première, et donc j'ai eu le bac blanc qui est arrivé assez rapidement, le 6 janvier. Donc j'ai eu dû réviser pendant ce dernier week-end de vacances. Donc certes, je m'en excuse, j'ai pas pu envoyer, j'ai pas eu le temps de faire le montage avec ce qui m'est arrivé. En plus, il y a eu les fêtes, donc voilà. C'est quoi un frais? Ah! Oh, j'ai eu très chaud. Là, il y a une étoile, non? Oh là, j'ai un problème. Ok. Du coup, là, ça aurait été très difficile d'envoyer Crusoe Kevin. Mais il y aura ma nouvelle aventure que j'avais envoyée sur Facebook. Que j'avais marqué, hein, que ce serait la nouveauté de cette. Chaîne double hein, que je fais avec Sly Ratchet, voilà. The Sly Ratchet, hein, pour ceux qui ne savent pas encore et qui veulent aller faire un détour, bah vous irez voir ma foi sur notre chaîne double qui sera dans la description. Alors, oh, je m'en rappelle plus, le bon de 5, on s'en fout. Ok, fail. Donc, voilà.
Ça serait une aventure en 1.7.2, si je me rappelle bien. Et ça va être superbement génial. Une étoile là, une étoile. Franchement, ça va juste être super. Ah, il y avait quelque chose. Bah non. Oh, le fail. Ouf. Fail. Ouais, je me concentre un peu sur le jeu, faudrait pas, mais bon. Faut bien que je le fasse, hein. Donc bref, il y aura ma petite aventure avec Infamous en double. Double point de vue sur la chaîne Infamous et sur ma chaîne. Il y aura la chaîne, l'aventure en double avec Sly Ratchet, mais ça c'est encore pas pareil. C'est encore pas pareil parce que... Ah putain. Parce que ça va demander beaucoup de temps. Aïe aïe aïe. Ça demande beaucoup de temps avec Cruiser Kevin. La chaîne double en 1.7 avec Ratchet qui va rentrer environ le 15 janvier environ. Hein. Environ. Oh, tant pis, je rush. Oh, that fuck. Oh, dégoûté. Oh, je crois que c'était un Gugus noir qui restait, donc j'ai rushé. Ah. Donc, ça sera The Strange Fate, l'étrange sort. Et dommage à Game Over, ça c'est con. Donc, ça sera l'étrange sort. Une aventure franchement superbe. On va être dans des biomes nickel de la 1.7. Avec Infamous, je ne vous dis, c'est l'aventure inattendue. Une aventure dont on ne s'attendait pas. Haha. Mais qui sera pareil en 1.8, la snapshot. Avec les nouveaux blocs complètement dégueulasses. Lol. Et voilà. Ensuite, let's play. Je ferai sûrement un let's play sur un jeu, je ne sais pas encore, peut-être sur la Wii. Je ferai un tournoi de foot, moi face aux ordi, mais ça sera un tournoi, vous voyez, assez long. Mes souvenirs sont bons, ce sont les meilleurs clubs du monde, donc sauf Bordeaux. Bon, c'est, ils sont forts, mais quand même, si je crois qu'il y a 32 équipes. Donc voilà, 32 équipes, on va peut-être pas mettre Bordeaux dans les meilleurs. Et donc voilà, ça sera un petit tournoi tranquille en mode Ligue des Champions, mais avec beaucoup moins d'équipes. Commenter en live en même temps que je joue. Donc ce qui me déconcentre pour que je sois environ au niveau des ordi. Donc vous verrez, il y a des scores live, il y a des scores. Bon, j'ai du mal. Il y a des scores bons aussi. Donc pour les ordi, hein, bon pour les ordi. Donc voilà. Ensuite, peut-être une aventure avec Sly Ratchet sur une map. Ça, c'est vraiment pas sûr, je ne sais pas encore. Bon, je sais que je vais faire des maps aventures cette année, mais franchement, ça me demandait pas. Bah, vous pouvez me donner des idées de maps, certes. Mais après, je sais pas trop ce que je vais faire. On verra avec qui, avec quoi, où, comment, avec quels moyens, voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être un petit peu, ouais, j'irai bien. Une année pas trop chargée là. C'est un petit peu une préparation pour une grosse année là, l'année prochaine, puisqu'il y aura quand même peut-être un boîtier d'acquisition à l'arrière, donc des gros let's play. Zelda Skyward Sword, Zelda Wind Waker, le Zelda qui sortira fin 2014 je crois. le Zelda Wind Waker HD, le Zelda encore celui d'avant, hein, les Four Swords d'aventure que je vais sûrement faire. Donc franchement, ça fait beaucoup. Et je pense pas que je finisse en 2014 quand même. Je sais même pas si j'arrive, si je vais faire les Oracle of Age et saison, je sais pas. Je sais pas si je ferai The Minish Cap aussi, parce que ça me plaît, ça m'emballe pas trop, mais bon. Faut quand même que je fasse Majora's Mask et que je fasse comment s'appelle-t-il, Ocarina of Time. Donc ça fait beaucoup. Et ça fait vraiment
de longs mois que je m'y apprêtais, de longs mois que je m'y attendais, hein, quand même, que ça serait long. Regardez, j'en suis qu'à l'épisode 10. Puis encore, encore. Ça va aller vite, hein, là, je vous jure, janvier, là, ça va être beaucoup d'envois de Zelda. Malgré la rentrée, malgré le bac blanc, là, bah, ça y est, ça va recommencer ma saison. J'ai tourné en avance, hein, histoire de pouvoir faire le montage assez librement. Et voilà, donc, il y aura pas de bonne année sur les prochains épisodes de Zelda, mais à partir de l'épisode 2, je crois que j'ai tourné 3 épis 2 épisodes en avance, le 7, le 8 et le 9. Donc voilà. Non, l'épisode 10, 11, je vous promets que ça sera du live, du live, que j'aurai lu vos commentaires, que ce que vous voulez que je vous explique, tout ça, histoire de que vous soyez un petit peu informé de ce qui est ce qu'on appelle mon jeu préféré. Donc faut quand même que je vous informe des trucs qui sont bien. Zelda Ocarina of Time qui sera pas fait à 100%, par contre Majora's Mask qui risque d'y être à 100%, donc voilà. Donc j'ai jamais fait les boss des Zelda. Le seul boss que j'ai fait dans ma vie, c'est le boss de Twilight Princess. J'avais envie de faire Ganondorf, il me donnait envie, je l'ai fait. Sinon, Majora's Mask, Ocarina of Time, Skyward Sword, je les ai jamais fait, hein. Ah, je peux vous le promettre, je les ai jamais fait. Donc, ça va me donner un petit peu de... Vous voyez, comme ça, je serai un petit peu dans la difficulté et l'adrénaline. Que faudra que je réfléchisse comment que je vais les taper. Bon, j'ai déjà vu des vidéos comment le battre, hein. Je sais qu'est-ce qu'il y a comme astuce, parce que je suis quand même un fan de Zelda, je suis inscrit à Zelda Player. Mini partenaire, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je m'y connais un petit peu, bref. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Quelques informations amples par rapport à mes let's play, parce que là, à part à Zelda, j'ai pas trop grand-chose. J'aurais peut-être un Zelda sur peut-être du Mario 64, Super Mario 64, avec les étoiles. Franchement, j'aime bien, mais je sais pas. Franchement, je suis pas sûr que je le fasse ni ici ni l'année prochaine. On verra bien. Cette saison est entamée, ce premier semestre. Donc là, c'est franchement un semestre calme. Il y aura que du Zelda, que du Zelda. Il y aura peut-être ma nouvelle aventure Minecraft. Il y aura, pardon, aussi de la Redstone. Ça va être vraiment lent. Il y aura mon aventure Les Crusoe Kevin, il y aura mon aventure avec Infamous, et ça sera tout pour ce mois-ci. Ça va être tout doucement, hein. Pour ce mois-ci, hein. J'ai dit pour ce mois-ci, je suis con. Pour ces 6 mois, si. C'est un semestre tranquille. Je vais envoyer une vidéo par semaine. Essayer. Je pourrais m'en envoyer une tous les 2 semaines. J'irai tout doucement. Zelda, j'essaie d'en envoyer une ou deux par semaine. Franchement, ça me tient franchement à cœur de vous proposer un contenu propre. Franchement, Nintendo, je me suis bagarré contre eux, hein. Parce qu'il y a eu la nouvelle politique, hein, ma foi, de YouTube. Il faut faire avec. Il y en a qui gueulent, donc je vais peut-être un petit peu vous expliquer ça assez rapidement. Donc, dans YouTube, il y a des droits, hein, de son, d'image, les droits d'auteur, hein, comme vous pouvez bien le constater. Il y a des vidéos qui sont prises par un peu n'importe qui, genre. Abby le Grand qui va mettre une vidéo du Gangnam Style qui va se faire 500 000 vues, alors que le vrai Psy Vevo, je crois, non, c'est Official Psy, je crois, c'est pas Vevo encore, qui lui a fait la véritable vidéo avec 2 milliards de vues, mais voilà, il devrait mériter tous les droits, et la politique a fait que elle est démonétisée, d'accord, mais maintenant c'est encore beaucoup plus strict, et ça va déranger beaucoup de monde. En l'occurrence, les personnes qui vont être le plus touchées, bon, franco-françaisement, c'est Joueur du Grenier et Salut les Geeks. Salut les Geeks, je ne regarde pas trop, mais je me suis quand même informé parce que ça touche un petit peu tous les youtubeurs. Il y a eu le Notube, hein, il y a quelques temps, je vous expliquerai ça encore après. Donc, Joueur du Grenier, donc je vais parler de lui. Salut les Geeks, c'est pratiquement pareil, sauf que c'est dans le général. Vous voyez, ça touche pas que le monde du jeu vidéo. Pour saluer les geeks, et c'est beaucoup plus rigolo. Bref. Joueur du Grenier, c'est un présentateur de jeux vidéo normal, on va dire. Mais c'est un montage très 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 grand. Il présente un jeu vidéo merdique, où c'est qu'il va faire un gros speech, hein, dessus, hein, de 15 minutes. Donc il y a du Batman, du... Il y a n'importe quoi. Je dis pas que Batman c'est de la merde. Au contraire, j'adore surtout le Dark Knight, là.
Donc bref, le jeu vidéo était merdique, il a fait un gros commentaire. Donc par exemple, il y a les musiques de Batman, avec la nouvelle politique, ça sera fini tout ça. Donc il sait pas comment que ça va se passer. Franchement, même moi je sais pas comment que ça va se passer. Pourquoi, je vous expliquerai après encore, hein. Tout ça reviendra par rapport à l'histoire de Nintendo, hein. C'est pour ça que j'ai joué sur un jeu Nintendo. En espérant que je me fasse pas attaquer, hein. Bref. Alors, je regarde un message, désolé. Je parlais de quoi? Ça, c'est con, par contre. Je parlais, je sais de ça. Ah ouais, mais là, non, c'est pas possible, je m'en rappelle plus. Ouais, joueur du grenier qui fait des présentations, il pourra plus parce que les bandes son, bandes images, bah, profiteront à ça. Donc, vous voyez, il y a des gros piliers de des bandes son et tout, des bandes jeux vidéo qui sont bah, Nintendo, Electronic Arts, Rockstar, Star, je sais plus, mais celle qui fait GTA, tout ça. Donc voilà, Rockstar, Nintendo sont contre, sont contre bah, tout ce qui est droit d'auteur, donc ils sont pour que les vidéos soient supprimées, comme quoi les revenus doivent être proposés à comment que c'est à proposer. Les revenus doivent être donnés à Nintendo et non à celui qui a fait une vidéo sur une vidéo Nintendo. Donc, en l'occurrence là, non, si je monétise et que j'ai 30 000 vues, ça reviendrait à Nintendo normalement, hein, je dis bien. Après, il y a un gros robot YouTube qui scanne toutes les vidéos mises en ligne, toutes. Vidéos de cul supprimées, vidéos avec une bande son, ça revient tous les droits, s'ils sont monétisés, ça revient tous les droits. Au vrai chanteur, les droits de Nintendo, comme je vous ai dit, tout revient maintenant au gros pilier et les petits ne peuvent plus rien faire, d'où l'action Notube. Alors Notube, qu'est-ce que c'était? C'était le 1er janvier, la plupart des gens français n'y ont pas été. Bon, la plupart, c'est quoi? Allez, on va dire 300 000 Français n'ont pas dû aller sur YouTube. Après, je sais pas si ça a été jusqu'en Amérique, cette politique de Notube. Voilà, moi perso j'y étais, je sais très bien que ça sert à rien, il faut faire avec, ce qu'ils nous donnent, hein. Franchement, d'accord, ça fait de la pub, mais bon, YouTube, franchement, c'est pas que pour la monnaie, donc vous monétisez pas vos vidéos, et à la limite, ça fait de la pub un peu pour ce que tu aimes bien, et après tu pourras peut-être être monétisé grâce à un partenariat. Bref, moi je monétise, mais c'est parce que je l'ai mis automatiquement, sinon j'aurais complètement la flemme déjà. Même si j'aurais 20 000 vues, j'aurais entièrement la flemme de monétiser les vidéos. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, je me suis bagarré avec Nintendo. Donc pourquoi mon épisode 4, 5, 6 de Zelda n'ont pas voulu être monétisés? D'accord. Mais ça me met que mon contenu n'est pas d'accord avec mon propre contenu. D'accord, c'est mon contenu entièrement. Sauf les dernières, la toute fin. Que je ne mets pas à la fin, mais... je la mettrai en fin de saison, hein, le nom de la musique, pour pas que vous me la piquiez. Bon, c'est pas que j'ai pas confiance en vous les viewers, mais j'ai pas envie qu'on me la pique pendant ma série en même temps. Si vous me parlez en privé, je vous la donnerai, hein, je l'ai donnée à Ratchet. Voilà. Alors, YouTube m'a envoyé un speech pour l'épisode 4 et 5, surtout, comme quoi c'était pas mon contenu. Donc moi, bah je me suis révolté quand même. Je vais pas me laisser faire et dire d'accord, c'est pas mon contenu, je donne tout à un truc, je sais même pas c'était quoi. Hein. J'ai été chercher sur YouTube. Je pense que c'était Nintendo qui a envoyé ça pour avoir ses propres revenus. Donc franchement, avec 30 vues déjà, c'est un petit peu dégueulasse de faire ça pour gagner 0,005 centimes qui viendront sur un crédit jusqu'à quand qu'ils aient 1 centime. Nintendo, d'accord, est un petit peu endetté. C'est pas endetté, mais elle gagne bah voilà quoi. Hein. Elle aura pas eu la Wii U, franchement, HD, c'était un petit peu la fin pour Nintendo, parce que quand on regarde les nouveaux Mario Bros, bah c'était toujours un peu pareil, ils rajoutaient un truc qui servait à rien, en l'occurrence, le nouveau qui était sur 3DS, c'était Mario Bros avec les pièces, on gagnait des pièces à l'infini. À quoi ça sert? À rien, à rajouter des vies, à avoir un jeu Peggy 3, sans difficulté, sans aucun piège fourbe de Nintendo. Alors que, regardez dans ce Mario Bros que vous voyez là, qui joue depuis tout à l'heure à rien faire, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il y avait des trucs fourbes, il faudrait rentrer dans des tuyaux, après on se perdait et tout.
Il y aurait pas les hacks, on va dire ça comme ça, des vrais Mario, donc VIP, tout ça. Franchement, il y a des gens qui se feraient chier, hein. Pour ceux qui sont fans de Mario World et tout. Waouh, il y en a plus des jeux comme ça, il y en a plus. Voilà. Donc je reviens pas sur la Nintendo qui baisse, hein, même si elle a avec Wind Waker à remonter, elle aura un nouveau Zelda. Hein. Ce sont grâce à ces licences les licences majeures de Nintendo que Nintendo reste ici. Hein. En l'occurrence, Mario, Zelda, bah ça fait le petit péché mignon de Nintendo en Noël, hein, franchement là, d'avoir des salaires de ouf. Bref, donc j'en reviens. Donc Nintendo ne voulait pas. C'est un petit peu dégueulasse. Je me suis un petit peu révolté, j'ai renvoyé comme quoi que c'était pas mon contenu. Je l'ai envoyé en anglais. En plus, comme quoi mon contenu était entièrement fait par moi. Le montage était entièrement fait par moi. Que le jeu, je me le suis acheté sur Nintendo 64. Que le jeu, je me suis acheté sur GameCube. Que le jeu, je me le suis acheté encore une fois, une autre fois sur GameCube. Et là, je le retélécharge sur Internet, comme quoi j'ai plus. Bah, que j'aurai un meilleur rendu sur ça. Donc j'ai quand même filé 80 euros à Nintendo. Donc on va dire, allez, 30 euros, 40 euros au magasin. Et 40 euros à Nintendo. 40 fois 3, ça fait 120 euros à Nintendo quand même. 120 euros quand même, c'est pas trop négligeable. Hein. Bon, la preuve, comme quoi c'est pas négligeable pour moi. Hein. La preuve, je tourne des vidéos avec une caméra. Donc on peut dire que j'ai pas les moyens de faire ça. Même si il y a quand même des autres petites choses qui font que je m'en achète pas, hein, des boîtiers d'acquisition. Il y en aura peut-être un, peut-être. Mais voilà. Bon, voilà quoi. C'est dégueulasse quand même que Nintendo fasse ça à des gens qui veulent se faire connaître sur YouTube, qui veulent avoir un nom, qui veulent partager bah ce qui leur plaît. En plus, ça fait de la pub à Nintendo quand même. Regardez Electronic Arts par exemple. Elle n'est pas contre, hein. Elle est pour que les gens fassent des vidéos par rapport à leur jeu. Ça leur fait de la pub. Ça donne aux gens envie d'acheter et ça leur fait 40 euros. En plus, alors si c'est un genre comme, allez, on va dire, Siphano qui a 500 000 abonnés, s'il dit, oh, ce jeu, il est bien, je peux vous assurer qu'il y en a au moins 1 000 qui vont acheter le jeu. Voir la console. Ok. Voilà, quoi. Electronic Arts, franchement, en plus, c'est pas, voilà, quoi. Il y a Electronic Arts Sport, Electronic Arts Games. Voilà quoi, je comprends pas que Nintendo, avec deux grosses licences, nous laisse pas faire encore plus de pubs, même si bah si on dit vous connaissez Mario Bros dans la rue, allez, il y en a 6 milliards qui le connaissent dans le monde, voire beaucoup plus même. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que Mario Bros, voilà quoi. Déjà, tous les gens de la France, il y a 60 millions sur 65 millions. Et encore les 5 millions, ça doit pas être des Français, ça doit être des Albanais, des Roumains, des trucs comme ça. Bon, je ne suis pas raciste, hein. Je dis les trucs comme ça parce que c'est pas des Français donc ils connaissent pas Mario Bros qui vient de l'Amérique, du Japon, des grosses mégapoles mondiales. Donc nous, mégalopoles européennes, américaines et asiatiques, côté indienne et japonaise, donc ils peuvent pas connaître les Roumains. Il y en a qui connaissent, hein. Il y en a beaucoup plus de 5 millions en France, donc voilà. Je ne suis pas raciste, c'est juste pour les différencier, comme quoi ils connaissent pas Mario Bros quand même. Parce que c'est à cause de leur pays qu'ils ne connaissent pas ceci. D'ailleurs, je sais pas si ça circule vers les pays central, Moyen-Orient, je sais pas. Mais bon, en Inde, il y en a qui connaissent, hein, c'est quand même un gros pays, mais bref. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui connaissent Nintendo, donc c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas dire que ah ça nous fait de la pub, c'est bien. Bah voilà, parce que tout le monde connaît, tout le monde. Oui, mais bon, si c'est quand même une personne qui est super abonnée, elle va quand même l'acheter, hein. Voilà. Donc bref, on va revenir à l'action. Bah ma foi, bah voilà, c'est un petit peu dégueulasse parce qu'ils ont voulu me supprimer les deux vidéos. Les deux vidéos maintenant sont en attente. J'espère bah, que le verdict, bah ça sera pas un strike. Les strikes, je peux pas trop vous expliquer, je connais pas trop. Siphano en a parlé, donc. Je vais un petit peu lui faire confiance parce que j'ai regardé un petit peu sa vidéo de bonne année. Il dit que au bout de 3 strikes, il y a la fermeture de la chaîne. Donc sachant que j'ai mis 2 vidéos contre Nintendo, c'est pas que je le sens mal. Mais ça peut sentir comme un peu le strike. Donc le strike, c'est à ce qui paraît, c'est le premier strike, ça nous ferme tout ce qui est la programmation de nos vidéos. Donc si je vais envoyer des vidéos comme les cruises de Kevin, bah ce sera à mon avis plus à 20 h ni à 22 h sur YouTube, parce que bah, je peux les envoyer programmées.
Ça me permet de faire de superbes choses, hein, de les envoyer vraiment à 20h et 22h comme un vrai film environ. Voilà. Ensuite, bah, programmation bah, sur Dailymotion, franchement, je peux rien trop faire, hein. C'est plus YouTube qui me cause des problèmes, hein. Dailymotion, bah, tu monétises pas et c'est super. Il n'y a aucun problème, vous voyez. Dès que ça parle d'argent, ça se tire dans les pattes et tout, donc voilà. C'est ce que je dis, c'est un peu de la merde l'argent quand même. Mais bref, on n'est pas là pour faire un débat politique. Bon, je suis là quand même pour un petit peu défendre le contenu original de mes vidéos faites et monté entièrement par moi. Certes, c'est pas mon jeu. Celui-là, je l'ai pas acheté sur l'ordi, mais je l'ai quand même acheté deux fois sur GameCube, une fois sur Nintendo 64. Donc, et il y en a peut-être qui l'ont acheté sur Nintendo 64. Après, ça a été craqué sur l'ordi en 2003 quand il y avait la GameCube. Hein. Donc, franchement. Moi, franchement, je dis 120 euros environ donné à Nintendo. Allez, on va dire 100 euros pour être gentil, bah méchant. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Et même ils ont un capital de 10 millions, 10 milliards d'euros. Hein. C'est beaucoup plus, 100 milliards d'euros. C'est voilà. Après, il faut faire avec. Si franchement, bah, je vais me prendre un strike ou bien je vais avoir un gros avertissement, suspension de la bande son, donc franchement ça, bah, ça ne servira à rien, vous verrez que l'image. Bon, bah maintenant il manque plus que le verdict, donc voilà, Let's Play Zelda, bah peut-être terminé, mais franchement je pense pas que ça soit des gros connards YouTube. Certes, c'est un petit peu méchant d'envoyer ça dans la gueule de ceux qui veulent se reconnaître, dont l'action du Notube, bon ça sert à rien, vous vouliez qu'il fasse quoi sérieux? Mais bon, c'est toujours bien pour dire qu'on est là, mais bon. J'y crois pas trop quand même à ce qui change le règlement des droits d'auteur de la part de YouTube, hein, qui est énorme. Mais bon, YouTube sans nous ne vivrait pas. Bah sans nous, peut-être pas sans moi, mais bon, quand même. Après, je peux rien dire. Donc voilà, cet premier semestre, hein, pour conclure, ce premier semestre vraiment léger, on va y aller tout doucement. Après le deuxième semestre, j'en parlerai peut-être dans un petit épisode. Regardez, il n'y a plus de réaventure ce semestre. Ça me fera un petit peu du bien. Je parlerai plus trop de ma vie. Je crois que je me suis arrêté à l'épisode 6 en plus. Bah vous inquiétez pas, je vais mieux alors. Puis voilà, donc sur ce, bah rejoyeuses années, rejoyeux Noël, bien bouffé et tout. Bref, on s'en fout un petit peu donc. Premier semestre léger, second semestre, je pourrais peut-être un petit peu attaquer, peut-être avec un nouveau Zelda en plus. Je sais pas, je vais terminer quand. Je pense terminer en avril The Legend of Zelda Ocarina of Time. J'essaierai quand même de terminer vers juin, comme ça, je vais pouvoir pendant les vacances un petit peu commencer. Bah avant les vacances, avant le bac. Ah merde, ah ça c'est con, il y a le bac. Ah. Ah oui, puis en avril j'ai aussi l'oral, donc il y aura des moments. Pareil, je dirais dans des vidéos, je ferai pas, vous voyez, un speech comme ça, un petit point sur. Bon, je sais pas comment j'ai appelé ça, attendez, je réfléchis. Le point. Oh, j'ai un, allez hop, voilà. Donc voilà, sur ce point, bah je ferai pas un autre point rougien sur bah pour faire ça. Hein. Je parlerai dans une vidéo bah, qui a le plus de vues. En l'occurrence, à mon avis, ce sera pas Zelda. Ce sera plutôt Minecraft. Hein. Donc je ferai un petit speech sur Minecraft. Peut-être sur la créaventure. Mais bref, voilà, il y a le rôle en avril, il y a le bac science en avril. Il y a le bac français et science en juin, juillet. Voilà. Donc franchement, ça va être un petit peu long, mais bref. Voilà, sur ce, bah, je vous remercie de m'avoir regardé. Encore une bonne année, joyeuse année. Bonne année YouTube pour ceux qui sont en train de faire du YouTube. Et moi je dis bouya! Allez, bisous bisous!